La star des vlogs. Vous avez réussi, j'ai un peu d'aigle. Ouais, ouais. Mais t'as vu? Il doit recevoir des DM. Hein. Hein, elle met mon Instagram dans la description. C'est exactement ça. Je fais ça pour lui. Hein. Les meilleurs DM. Hein. Là, ça s'utilise peut-être que brancher ça en fait. Ah. Ouais. On vole la nourriture des FL. Logiquement, tu le mets pas directement là-dedans, tu sais, il y a un petit truc qui ressort. Bah. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça sera bien. Je vais vraiment juste regarder dans la boîte. Oula. T'as vu comment on s'est toutes les deux reculées. Le truc tournait dans ma direction, j'ai fait ouais, non. Putain, pourquoi ça. Désolé, je suis un peu. Tu peux le faire, Flo. Oula. Excellent. Trop bien la télé, bravo. Merci LG. Toujours malade. Why you film me? Vas-y. Faut pas rester plus de 15 secondes, sinon tu chopes la grippe. Non, en vrai il est ok maintenant. What? How are you good? Yep. Hey! T'es got trapped, man. Tu les sens bien après Nice et tout. Ouais, sur les samedi, il y avait encore un peu de la frustration. En même temps, il y avait de la fatigue parce que vendredi, on a fait la route. En vrai, c'était notre jour off, mais avec la route, c'était pas vraiment off. Donc samedi c'était léger. C'était un peu plus léger, il y avait un peu de frustration sur les games, etc. Après sur le week-end on a essayé de fixer quelques soucis, quelques problèmes, repartir sur une bonne base et se concentrer sur la semaine, préparer la semaine. Et du coup, jour après jour, c'était de mieux en mieux. Samedi, dimanche, lundi, mardi c'était cool, top, c'était vraiment bien. Et là, je les sens vraiment concentrés et tous, la plupart, ils sont juste pressés que ça soit 20h. Là. Ah oui. Ils attendent 20h impatiemment. Ouais, tu m'étonnes. Ils ont l'air tous focus et tout. Ouais, super focus, super sérieux. Pas là pour rigoler. Là pour détruire l'ennemi. Pour détruire l'ennemi. Et... Ça, il aime bien entendre, Kamel. Hein. J'observe. Tu juges ? Il a fait le plus grand remède de l'histoire. Moi, je vais en quarantaine. Il a fait le nerf-nerf des grands-mères. Demain, il est en pleine forme. Demain, il est de retour là-bas. C'est vrai qu'il est. Non, mais c'était horrible, il toussait dessus, il toussait sur les gens et tout. Il tousse comme un mec à la lèpre. Ah, il est mort. Oh la malveillance. T'as hâte du match, Kamel? Comme d'hab, on est là. Hein. j'ai raté la Saint-Valentin pour cast. Ces petits cons, ils doivent me rapporter une victoire. Mais là, tu sens qu'il est un peu malade parce qu'il a pas sa pose avec ses pieds sur la table. Ouais. Tu vois? Il est pas détente. C'est ça. Mais. Tu sens qu'il est plus sérieux. Ouais. Comme il est malade, il est plus sérieux. En plus, truc cool, c'est que. Vu qu'il est malade, il a commencé à penser à sa santé, tu vois. Et après, du coup, il m'a dit, ouais, mes poumons, tout ça, il faut que je fasse du sport pour être mieux. Après, il dit, bah, moi, toujours, je t'ai dit, viens, on s'entraîne, toi, t'es là, tu bégayes. Et là, il m'a dit, ok, bah, dès que je vais mieux, let's go, séance à chaque fois. Et oh là là. Donc là, ça va être un Vladi. Vladi le sportif. Plus qu'à attendre, hein. Ouais. T'as zoomé là sur moi quand j'ai. Non, j'ai dézoomé, j'ai dézoomé. Attends, là je zoome. Non, my eyes are not getting bigger. Idiot. Il y a un peu des raids et il y a pas de bang. Hey, termine life là. T'as dit t'allais les garder. Plus de bulls, plus d'argent. C'est ce que t'as dit. Vive l'argent. Toi, t'es chaud.
Chaco, man, chaco. Oh, one, one, yeah, I can do this three. Let's go. Wow. Look at him. A professional clown. Wow. That's a draft, but he can do this match. Wait, can I trick? I can do a trick, maybe. Oh, oh. What is the trick? I wanted to do below my leg. I never tried. Excuse me. Whoa. Excuse-moi. Impossible. Ah ouais. Tour du monde. On va aller chercher une ward. Du coup, eux, ils vont chercher une ward. Oh, les abeilles de fou malade. Oh, le bait de légende. Oh, la strat de fou, frère. On avait une strat pareille, frère. Oh, la strat de fou. Faut juste faire attention au catch, là. Onside sur Vladi. Ça va être tempo un peu qu'on push la mid lane. Après, on va aller le rejoindre directement. Peut-être nous qui allons catch. Après, ah, attention, sur la BT, attention. Pas. Petit rumble. Pour l'instant, c'est très bien. Il y a la TP de Vladi, mais on en a pas besoin. On n'a pas besoin de lui pour l'instant. Et là, on va avoir besoin de lui, Vladi Peng. Qui va prendre très très cher. Linsas qui va survivre. Linsas qui va survivre avec le passif de Mokai. Vladi qui enchaîne les kills. Avec Mainter, il a encore un dash. Il va aller sous la tour comme un fou. Mathias qui va flash out le hook de la part de Fletchy sur la flèche de Kaliste. Et c'est la fin de la game. GG. Bravo. L'ambiance est une victoire. Waouh, wow, c'est délétère. But can say Vlad is like Michael Jordan in his flu game, you know, dropping I don't remember how many points. But... Yeah. Draft was good. That was kind of shit. Super. Demain, match. BK Rogue. BK Rogue, important. Ah putain, oui. Pour reprendre la première place et après. Il y a une ambiance de victoire, elle est ouf. Là. C'est une ambiance de ok, on a gagné, demain il faut qu'on gagne aussi. Vraiment. Tu vois, c'est... Salut les gars, bah écoutez, on va parler un peu e-sport parce que c'est ça que je fais ici. Bah écoutez, il y a du bon et du moins bon ce début d'année. Il y a la. Projet Rocket League et LFL, ça clique plutôt bien. On est un peu en avance sur les temps de passage sur la LFL parce que on savait qu'on prenait des jeunes et qu'il leur faudrait du temps de formation. On a un peu senti le manque d'expérience sur Anis, mais merci de les avoir encouragés parce que je pense que ça les a marqués et que là, du coup, ils ont à cœur de vraiment repayer ça et de le payer au centuple. Donc en vous ramenant des titres, ils sont vraiment revenus tous chargés à bloc de ça malgré les défaites, donc c'est cool. Et donc merci pour ça. Après, évidemment, il leur reste du travail, il y aura encore des matchs en creux, etc. Et cette expérience, elle sert aussi à ça. La LSF, elle sert à ce qu'on progresse et ce qu'on les fasse progresser, parce que c'est des projets long terme pour les faire monter en LEC. Et donc le LEC, ouais, c'est ce qui a coincé. Mais pareil, le projet, si vous regardez un peu les tier list, le projet VCT, c'est un projet extrêmement jeune. Hein, on est le doyen en 22 ans. Donc il y aura forcément des petits trous d'air dans l'expérience et dans, dans certains matchs à très très grosse pression. Mais pareil, c'est un projet pour être champion du monde, j'espère à 3 ans max. C'est hyper ambitieux, on fait un peu ce que Fnatic a fait les 3 dernières années autour de Boster. Alors ils n'ont pas été champions du monde, mais on espère que nous on le sera. Mais en tout cas, tout le monde bosse hyper dur, toutes les équipes bossent de fou. On a les féminines qui sont passées aussi, qui sont qualifiées en VCT, qui ont un groupe jouable. Elles n'ont pas pris le pire des deux. Donc les 5 équipes sont au taquet, les 2 petites TFT aussi, avec des performances régulières, notamment de Momo. Donc tout n'est pas rose, mais tout le monde bosse dans le bon sens, et avec le pôle perf qui se met en marche aussi, je pense que ça devrait porter ses fruits. Et Carmine, de toute façon, l'objectif c'est d'être champion du monde partout, c'est pas de l'être tout de suite. Donc soyez patient sur les trucs qui marchent pas, ça veut pas dire qu'on comprend pas et qu'on... On essaiera évidemment au fur et à mesure des mois et même des années de vous montrer un maximum de progrès et de transparence aussi. Je pense que là-dessus, on fait des progrès aussi. En tout cas, merci pour le soutien de tous les jours et j'espère qu'on va vous donner du très très bon spectacle sur les mois qui arrivent. J'ai un mois de mars incroyable avec des stats records chez Kamel. Mais Erwin, où est-ce que tu vas ? Je vais où ? Bah, acheter des fleurs. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la Saint-Valentin. Donc pour les récompenser.
pour leur travail assidu, on va leur offrir des fleurs. C'est parti. Ça y est, on est arrivé. Je sais pas quoi acheter déjà, mais je pense que les tulipes, ça va faire un truc. En plus, il y a plein de couleurs de tulipes. Ouais, sinon, je me dis, ils sont 5, 5 roses, ça va non? Après, ils sont pas bleus. Rouge ou rose? Rouge? Rouge? C'est bon, bref. Je sais pas, en fait. Moi, j'aurais pris bleu, mais il n'y a pas bleu. C'est une bonne idée, non? Ouais! Je crois qu'ils vont vraiment apprécier. J'ai hâte de voir Vladi. Non, en vrai, ils vont bien aimer, je pense. Tu vas essayer de te faire rembourser par Arthur, les fleurs, ou... Ouais. Tu penses que ça va marcher? Ouais, non. Wadi, j'ai un cadeau de Saint-Valentin pour toi. Et pour l'équipe. Parce que vous avez pas de copine, donc je me suis dit que ça pouvait vous faire plaisir. C'est toi mon Valentin. En plus c'est rouge comme des carogues. Il m'a fallu brûler. Mmh. Je compte sur toi. Tu les offres ou... C'est pour l'équipe? Oui, c'est pour l'équipe. Mais non, je crois que je vais ramener. Hein. Ouais, okay. Hey, Apple, I have a gift for you. Mmh? I have a gift for you. Aussi Saint-Valentin. You know Saint-Valentin? Saint-Valentin's Day? Yes, Valentine's Day, yeah. Well, why did you give me this? Because it's it's for everyone, because wait, it's Valentine's Day and you don't have a girlfriend, so... We all get them? Yes, for all of you, okay? That's not a joke. No, it's not a joke. It's for you. I mean, thank you. Voilà, c'était un peu gênant, mais je me dis qu'il faut un peu d'amour dans ce club quand même. Et voilà, n'oubliez pas de souhaiter la joyeuse Saint-Valentin à votre copine ou votre copain. Et j'espère que ils seront heureux après ça. What do you think about the new decoration of the room? It's nice. I think it's much better than before. But it gets a bit dark sometimes, but we're gonna fix that. The pictures are good, so... J'ai hâte de mettre plutôt les photos de nos joueurs où ils soulèvent des trophées. Donc très pressé d'arriver également en fin de saison où on gagne tout et on pourra décorer cette chambre. Cette room, cette pièce, cette chambre. Comment ça, chambre énorme là ou quoi? C'est lieu. C'est un match important. Aujourd'hui, tu gagnes, t'es premier, tu le perds. T'es pas dans le trou, t'es pas premier, ouais, t'es dégoûté, tu vois. Donc aujourd'hui, très très important de taper des carottes. Stop! Can you get me banana? What? Are the banana, is the banana green as fuck? If yellow. It is, then I don't want it. You don't want my gift? Fuck you. One more, last. Nice! Oh. T'es tout le temps là, toi, hein? Chef. Oh, Ruben, what are you feeling? Huh? I like Alex more than you. Room. Yeah, tap in the neck. Oh, yeah. Hey! I have good aim. Chef. Ok. On va tuer. Le hook. C'est une bête. Auto. Il a le flash encore. Magnifique fléchi. Il en met des stacks. Hein. Calista, là, la fléchi, pardon. Fléchi qui va encore attraper cette Oriana. C'est son cauchemar. Et le team fight qui va enchaîner Calista. Vladi, le Q3, c'est terminé. GG well played. We won, Link has carried with Rel, Fleshy hook percent 100, Chocolate will have goosebumps and flashbacks, that's it. Game review, shit early game, but most importantly, before the game, no one knows this, I said, Chocolate, on your birthday, I will make you lose, so he got hooked 4 times this game. Ah, okay.
Je vois. Ça va là, les camarades? Ça va, t'es repassé premier, t'es refait là? Ah, en fait, on n'est pas premier parce que on est à égalité premier avec BDS et Bekarog. Sauf que BDS, ils ont gagné contre nous. Du coup, BDS sont premiers de la ligue actuellement. Ah merde. Et ce qui est sûr, c'est que Bekarog, si on est égalité premier avec eux, on sera premier. Parce que du coup, on a fait 2-0 contre eux. L'homme victorieux des drafts. La prep était bonne, je suis content. C'est le plus important. Next time, I will pick Bart for you. Thank you, man. We are out of Nautilus duty now. And when we improve more, we will pick Bart. Thank you, thank you. I think Chocolate is going to sue you or something. Like, it was harassment. Like, I took you on this one. Yeah, like a goat. Est-ce que t'as des mots clés que je dois essayer de faire rentrer dans le truc? Genre donne-moi trois mots et je dois essayer, peu importe, des mots qui te viennent par l'esprit. Ouais, je... Mes oreilles. Mes oreilles. Mes oreilles, ça sature. Mes oreilles. Je sais pas. Ok, d'accord. Oreilles, oreilles. Oreilles. Donnez des noms, le chat. Judge. Judge. Ouais. Ok, judge. Hater. Hater. Judge, hater, oreille, vas-y. Il va nous faire un slap, le frère. Ok, ça part, 1, 2. Pourquoi on a ça? Je crois qu'il se boxe. Ah, il se boxe, ok, ça, le groupe vit bien. Hello la team, comme d'habitude, on me demande à la dernière minute de finaliser ce vlog. En réalité, c'est la deuxième prise, parce que j'ai merdé sur la première. Donc, comme vous l'avez vu dans ce Carmine Life, nouveau partenariat avec LG. Très très chouette. Là on démarre beaucoup de nouveaux matériels, beaucoup de stuff. Ça va beaucoup, ça va aider que ce soit à Paris ou à Berlin. Vous l'avez vu aussi, Saint-Valentin cette semaine au bureau. Les fleurs ont fait grand plaisir à Apple, un peu gêné quand même, mais je crois que il a kiffé malgré tout. Elles sont encore en train de traîner derrière moi au bureau. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin avec vos conjoints, conjointes, amoureux, amoureuses, amis, qui vous voulez, potes. Moi perso, j'ai kiffé, le PSG a gagné. Et quoi qu'en disent les haters, pour l'instant, nous ne sommes pas éliminés de Ligue des Champions. Et ça, ça me fait grand plaisir. On me souffle dans l'oreillette que sur les maillots, on va bientôt avoir passé la barre des trois quarts des maillots qui auront été envoyés pour les maillots 2024. On s'engage sur le fait que tous les maillots seront envoyés au mois de février. Donc, délai un peu rallongé sur les livraisons qui ont commencé fin de la première semaine. Mais en trois semaines, on aura envoyé tous les maillots et il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout des flocages. On a été assez bouleffés par les flocages, beaucoup de flocages LEC. Donc on espère que ça va motiver les troupes pour le prochain split qui démarre bientôt. En parlant de split qui démarre, enfin, la VCT. Ça fait des mois et des mois qu'on attend. Moi, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de scrims avec Clément au côté, etc. Donc j'ai eu ma dose de Valorant, mais j'espère que vous avez hâte et que vous allez être à fond pour le match de demain. Pour le premier match de la nouvelle équipe VCT, donc sortez les judges, sortez les guns, le but c'est de les éclater et je pense que ça va bien se passer. Comment il va le boss? Ça va, vous êtes? J'avais un petit défi là. C'était quoi le défi? Je devais mettre. Merci. Enfin, Valentin. Je n'ai pas de Valentine, mais. On peut les mettre dans le monde, on peut pas les mettre dans l'eau? Bah si, justement. Flo n'a pas de Valentine. Je répète, Flo n'a pas de Valentine. Comment Flo n'a pas de Valentine? Une appli cassée, genre pour que les fans se rencontrent entre eux. Non, non, voilà, ça c'est vraiment la mauvaise idée. Beaucoup de problèmes à gérer. Non mais c'est pas à nous, tu vois. C'est genre les fans, ils peuvent se créer ça entre eux. Oui, bien sûr, bien sûr. Laisse-moi tranquille.